Bonjour. Bonjour à tous. Coucou, SAR 71-16. Donc, le chef est là. Je vais envoyer la demande. Bonjour Aïssa, bonjour chef. Bonjour, Comment bonjour. allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Est-ce que vous me voyez bien? Je vous vois très bien. Est-ce que vous me voyez Je bien? Vous vais encadrer m'entendez? ça. Je vous entends très bien, je vous vois très bien. Bonjour, comment allez-vous? Très bien et vous? C'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Le plaisir partagé. Donc, on va attendre un peu que les abonnés nous rejoignent D'accord, pas et de problème. me présenter en attendant. Donc, je OK. m'appelle Tengo Nefal, j'ai 21 ans, je suis alumni Talma Business School. Donc, je suis de la promo 2019. Ah. J'ai fait le Bachelor in Hospitality and Luxury Management. Et aujourd'hui, je suis au Pullman Paris Tour Eiffel. OK. Et donc aujourd'hui, je vous reçois. On reviendra sur vous et votre parcours juste après. On attend que les autres nous rejoignent. En Donc tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez nous envoyer vos questions dans la boîte à questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On essaiera d'y prêter attention en discutant. bonjour Et Aïssa. on espère que vous passerez un bon moment avec nous. J'espère aussi, je pense que ça va être un excellent moment. C'est un plaisir en tout cas de négocier d'être dans votre plateforme aujourd'hui. Ça fait connecter avec Thelma. Qui est une excellente école. Et je connais bien Maguette Diop, votre directrice, votre propriétaire. Voilà. Alors, comment ça se passe au Pullman sur la Tour Eiffel? C'est calme en ce moment avec le COVID? C'est très calme. J'ai pas travaillé depuis le mois de mars parce que l'hôtel était fermé à un moment. Et Bien sûr. l'activité reprend très doucement parce que c'est vraiment un hôtel touristique et il n'y a pas beaucoup de touristes extérieurs actuellement. Il n'y a pas de touristes à Paris en ce moment. Oui, Hein. Il n'y c'est a pas ça. de touristes. Ouais. Bonjour Laurent. Bonjour Donc, Laurent. je pense qu'on va commencer pour avoir le temps de vraiment parler de notre sujet. Mais Bien d'abord, sûr. j'aimerais qu'on apprenne à connaître Chef Pierre Cham. Donc, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours en commençant par le début, c'est-à-dire où est-ce que vous êtes né, où vous avez grandi, quelles étaient vos passions quand vous étiez petit. J'aimerais bien qu'on apprenne à mieux vous connaître. OK, c'est votre question? Oui. D'accord. Écoutez, ben moi, je suis né à Dakar. J'ai grandi à Dakar dans le quartier du Point E. Et D'accord. donc, je suis allé école primaire Sacré-Cœur, école secondaire lycée d'application, qui est devenu Seydou Nourou Tall entre-temps. D'accord. Et l'université de Dakar en fac physique et chimie pendant 2 ans. Juste avant que la fameuse année blanche soit décrétée, parce que nous étions très révolutionnaires, très bouillonnants à l'époque. On faisait beaucoup de grèves. On était dans le système, quoi, contre le Oui. système plutôt. Et donc voilà, c'est cette année blanche qui a tout déclenché pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Hein. On n'a pas voulu avoir à refaire une année parce que le système ne fonctionnait pas. Et moi, j'ai eu la chance de trouver une inscription dans une école dans l'Ohio, aux États-Unis. Et donc, j'ai eu un visa d'étudiant. D'accord. Et je suis allé aux États-Unis. Et en allant en Ohio, je me suis arrêté à New York, où j'avais un ami qui vivait. Et c'était New York de la fin des années 80, hein, donc je n'étais pas encore né. Du tout. Du tout.
C'était un New York qui est différent de celui que vous voyez aujourd'hui. Hein. À l'époque, c'était l'époque du. Il y avait une épidémie du sida déjà qui frappait plein sur New York. Et il y avait aussi la tragédie du crack. Le crack, c'était une drogue qui était. Voilà, vous connaissez le crack. Donc, les rues de New York et surtout la zone où j'habitais étaient parsemé d'addicts du crack, quoi, du crack, de l'héroïne. Et c'était, figurez-vous, c'était sur la 42e, hein, donc carrément sur Times Square, le Times Square qui est très touristique En plein maintenant, c'est Manhattan. en plein Manhattan, en plein cœur de Manhattan, mais ce n'était pas le tourisme qui avait à l'époque, c'était les sex shops et la drogue, quoi. Et donc voilà, donc je suis dans ce beau panorama et voilà, je me fais dévaliser et je suis coincé à New York, 3 jours après mon arrivée à New York. Donc vous C'est-à-dire n'avez que. pas perdu en noyau. Pardon? Vous Ah n'avez non, pas non, je ne perdu suis pas allé. en noyau. Non, je n'ai pas pu arriver en noyau. C'était une bénédiction en fait, parce que c'est grâce à ça que je me suis retrouvé dans cette nouvelle carrière. Tout a changé pour moi et je me suis adapté au fur et à mesure. Un boulot s'est ouvert. Un ami à moi qui travaillait dans un restaurant qui m'a proposé un boulot de bus boy, donc c'était garçon de salle plutôt. Et c'est comme ça que j'ai commencé, hein. C'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Donc c'est je vous ai perdu un moment parce que ma sonnette qui sonnait. Donc voilà, voilà quoi. Donc je crois que j'ai raconté un peu l'histoire, hein. J'ai grandi à Dakar et j'ai Donc passé vous n'aimiez ma. pas la cuisine étant petit, vous n'avez jamais Ah, cuisiné avec un. non, c'est une grosse affirmation, hein. Je cuisinais pas, mais j'aimais la cuisine. Et je Vous pense aimiez que. manger. Ah oui, je pense que nous tous, hein, les Sénégalais, c'est la chance qu'on a. Si on a grandi au Sénégal, on a grandi à Dakar, on aime la cuisine, hein, parce que nos mamans nous font la cuisine fraîche tous les jours. Hein, Exactement. la cuisine est délicieuse, donc même si on n'est pas dans la cuisine, on apprécie la cuisine et on a nos opinions en plus, surtout les hommes quoi, qui font pas la cuisine, et C'est ça. on a toujours quelque chose à dire. T'es une nerne, ouais, quelque chose quoi. Bon, il y a toujours quelque chose quoi. Mais donc nos mamans et les femmes au Sénégal, elles savent faire la cuisine. Et donc nous on s'est apprécié quoi. Donc j'appréciais la cuisine, mais au-delà de ça, j'appréciais un peu plus la cuisine parce que ma maman aussi, il y avait quelque chose qui était intéressant chez moi que je connaissais pas à l'époque. J'y ai pensé un peu plus tard. C'est que ma maman avait une collection de livres de cuisine. Je ne sais pas si vous connaissez Larousse culinaire. C'est un classique. Ma maman avait cette collection-là dans notre salon, dans la librairie. Et moi. Même que j'étais pas intéressé par la cuisine, je me souviens à un très jeune âge, j'aimais regarder les photos de ces livres de cuisine-là. J'adorais les photos. Je salivais, quoi. Je regardais les photos, je salivais. Donc c'était peut-être qu'il y avait déjà en moi, à l'époque, quand j'avais 5, 6, 7 ans déjà, c'était déjà ça, quoi. Pendant que mes potes y jouaient au football, moi, c'était ça. Je regardais les photos et je pouvais passer de longs moments à juste admirer ces photos et dire, ah, putain, si je pouvais goûter ça, si je pouvais. Donc vous Et donc, aimiez déjà la nourriture et la photographie ouais. dès tout petit. Dès tout petit, j'appréciais ça, j'appréciais la nourriture, j'appréciais la photo, j'appréciais les plats que maman faisait, j'appréciais les plats que ma tante Marie, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a apparu dans une émission que j'ai fait, l'émission que j'ai fait avec Anthony Bourdain sur Avec Anthony CNN. Bourdain. Voilà, donc cette tante-là qui elle était très très présente dans mon enfance aussi et celle qui fait la glitché pour Anthony Bourdain, donc c'est elle qui aussi avec ma maman souvent elle faisait des plats, elles aimaient expérimenter aussi hein, donc j'étais dans ce cadre-là quoi, j'étais dans ce Vous cadre baignez déjà dans ça. Donc c'est voilà. arrivé à Manhattan, quand on a volé toutes vos affaires, que vous avez décidé de travailler dans un restaurant. Et comment est-ce que la passion vous est venue? Parce que vous avez dit que vous étiez en salle. Ouais, Donc j'étais en comment est-ce salle. que vous avez été attiré à la cuisine? Donc voilà, je suis en salle et puis d'abord, il y a ce choc culturel là déjà parce que, ayant grandi au Sénégal,
Moi, j'avais jamais vu d'homme cuisiner. J'avais eu un homme cuisinier dans ma vie au Sénégal. C'était mon parrain, en fait. Mais il était d'origine vietnamienne. Tonton Jean, je salue déjà au passage. Et lui, c'était la seule personne, je vois, un homme vraiment passionné par la cuisine. Lui, chaque fois que j'allais chez lui, c'était lui qui était derrière les fourneaux et il faisait des saveurs différentes et tout. Et maintenant, je suis à New York dans ce restaurant qui s'appelait Garvin's dans le village. Et chaque fois que j'amène des assiettes vides en cuisine, je vois que des hommes en cuisine, quoi. Tous ces hommes habillés en blanc et tout. Oui. Et ils font des plats tellement beaux qui ressemblent au plat du livre de ma maman, tu vois. Oui. Et donc déjà, moi je suis là, voilà quoi. Donc c'est ce rêve d'enfance de goûter ces plats-là, je suis là, je les vois maintenant. Et donc c'est tout à fait par coïncidence, hein. Alors le chef, lui, il remarque ça. Il remarque que moi, je suis tout le temps là en train de passer plus de temps que nécessaire en cuisine, quoi. Alors que j'étais pas supposé. À New York, tu bosses, hein, tu cours tout le Oui, temps, quoi. Tu ne bien traînes sûr. pas en cuisine. Mais lui, tu vois, il a pris de la sympathie pour moi. D'abord, un, il savait un peu mon histoire. Il savait que c'était ce mec qui essayait de faire de l'argent pour retourner à Ohio faire ses études. Donc, il me dit, écoute, je peux te prendre en cuisine quand tu finis tes shifts de bus boy en salle. Tu peux venir en cuisine et moi, je te forme. Alors, je te forme comme j'ai été formé à la vieille école. Oui, On commence par la plonge. la Si plonge. tu as compris la plonge, tu as compris la cuisine, quoi. C'est ça. Et moi, je me disais, ce mec-là, il se fout de moi, quoi. Moi, je suis venu avec, je suis un universitaire, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, la plonge, c'est en dessous de moi. Et je détestais la plonge. Mais je voulais faire de l'argent. Je voulais faire un peu plus d'argent. Je pensais naïvement que j'allais mettre mes économies et puis quitter New York. New York était vraiment, c'était une sale ville. Je te disais, il y avait la drogue, il y avait le sida, il y avait les rats dans les rues, c'était vraiment une ville qui n'était pas attirante, quoi. Et donc, j'étais pressé d'aller dans l'Ohio. Et donc, j'ai pris ce boulot et j'ai été patient. Il faut être patient, quoi, dans la vie. Et j'ai été patient. Et cette patience-là, ça a payé parce que c'est avec, en faisant la plonge, petit à petit, on m'apprenait à faire la préparation. En cuisine, ça s'appelle la préparation. Quand tu épluches les pommes de terre, tu épluches les Les oignons. oignons, oui. Tu coupes ici, on t'apprend à couper, on t'apprend à utiliser l'économe et le couteau et tout ça. Et petit à petit, donc, en fait, tu es en train d'être formé à devenir un cuisinier, tu vois. Oui. D'abord un commis d'abord, et puis ensuite un cuisinier. Et puis, je parle de, bon, là, je vais rapidement, hein, mais ça a pris du temps, ça a pris quelques Oui. années. Et de la préparation, je me suis retrouvé à faire le garde-manger, donc à travailler avec les salades et tout ça. Donc, et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé. Le chef, il était très sympa. Lui, bon, d'abord, un, il avait fait ses études en France, donc il aimait pratiquer son français avec moi. Donc, il y avait déjà ce Les côté-là. Américains, ils aiment bien les Français. Voilà, ils aiment bien les Français, voilà. Donc, on avait connecté de ce côté-là. On a bien connecté. Et il me recommandait, puisqu'il savait que j'aimais lire et tout ça, il me recommandait des livres. Tu vois, il me recommandait des livres de cuisine à lire et tout. Donc, dans mon temps, quand j'étais pas dans le resto, je lisais. Et c'était passionnant. Je lisais, donc, ça m'aidait à non seulement pratiquer mon anglais, ma lecture, mais je devenais de plus en plus amoureux de cet art de la cuisine. Et je réalisais aussi, en lisant, que je me rendais compte que, en fait, la cuisine, c'est aussi de la chimie, parce que j'étais étudiant en physique-chimie et je voyais, je comprenais vraiment ce que les livres faisaient, ce que ces réactions devenaient, ce que, tu vois, certaines combinaisons, c'était de la chimie, quoi. Et donc là, tout d'un coup, je me suis retrouvé à penser cette idée folle de ne pas aller à l'Ohio et de rester et de devenir un professionnel de la cuisine. Et Pour le c'était une idée bonheur de tous. pour Et le plus bonheur le de chef tous. qu'en physicien, je pense. Je pense que les autres sont Ah. d'accord avec moi. Ah, moi, je suis d'accord, en tout cas. Je suis la personne qui m'a dévalisé. Je suis tellement. J'aimerais la récompenser. Le ou la récompenser. Et puis, voilà, quoi. Je suis content de ce tournant de ma vie. Aucun regret du tout. C'est toujours de la chimie. Mais en plus de ça, je peux écrire ma propre histoire, quoi. Ce que je fais en ce moment. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que vous avez eu à faire une école culinaire ou du management dans la restauration pour aujourd'hui
avoir des restaurants, être chef signature à d'autres endroits. Est-ce que vous avez suivi une formation? Ben, j'ai suivi différentes formations et c'était des formations précises, quoi. Quand j'avais besoin de faire des cours en pâtisserie, je m'inscrivais temporairement dans une école juste pour ce cours-là. Mais D'accord. la meilleure formation, c'était vraiment la formation sur le terrain, sur le tas. C'était la formation. Donc, j'ai fait des stages entre-temps. Donc, quand je me suis fait des armes et je savais que je pouvais maintenant amener mon talent ailleurs, j'ai fait des stages dans des restaurants italiens, français. Donc D'accord. Jean-Claude, et puis et après cela, c'est là que j'ai commencé à travailler professionnellement et à réaliser que donc j'étais dans la ville de New York qui se considérait être la capitale culinaire du monde, tu vois. Il y avait des restaurants pratiquement plus de restaurants Michelin que partout ailleurs dans le monde. Il y avait étoilé, tu vois, c'était vraiment une opportunité de voyager dans le monde, dans cette même ville, quoi. Je pouvais goûter Rien qu'à ces New différentes York, cuisines. oui, Hein, vous pouvez. pardon? Voilà, Rien à qu'à New New York, York, vous pouvez découvrir le monde, c'est ça. voilà. Et c'est quelque chose que je recommande toujours maintenant à mes étudiants, à mes employés. C'est ceux qui sont intéressés vraiment par la cuisine, c'est de voyager. Voyager, c'est la meilleure école. Parce que quand vous voyagez et quand vous. Et expérimenter toutes les autres cuisines du monde, hein, parce qu'il y a toujours à apprendre. C'est le métier où on n'arrête pas d'apprendre, on apprendra toujours, quoi. Moi, j'apprends toujours. Je suis tellement fasciné quand je vais dans un pays, quel qu'il soit. Je commence par le marché, je visite le marché et déjà là, je vois les produits qu'ils ont et ce qu'ils font de ces produits et puis je goûte. Et sans discrimination, hein. Des fois, les gens me disent, comment tu as pu manger ça et tout, mais moi, je suis tellement curieux que j'ai eu à manger des termites au Zaïre, j'ai eu à manger regardez, vous voulez bien me dire. Est-ce que vous avez mangé du durian? C'est le fruit qui... Durian, oui, bien sûr, bien sûr. Non. La cuisine de l'Asie du Sud-Est, c'est quelque chose, ça m'a vraiment inspiré. D'ailleurs, je dois dire que c'est elle-même qui m'a le plus inspiré D'accord. à revisiter la cuisine de chez moi. Parce que comme je disais, j'étais à l'époque à New York et il y avait toutes ces cuisines du monde représentées. Et cette cuisine d'Asie du Sud-Est commençait à venir. Thaïlandaise, ça commençait à venir dans les années 90 et tout, ça commençait à venir. Ce n'était pas encore connu, mais je voyais le succès que ça avait. Et je me disais déjà à l'époque, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de cette cuisine africaine, il n'y a pas de cuisine africaine représentée ici à New York, alors que, d'accord, ces cuisines, elles sont délicieuses, mais la nôtre aussi, elle est délicieuse. Les nôtres sont délicieuses, je dois dire, parce qu'on a plusieurs cuisines africaines. Et donc, voilà, c'est cette cuisine qui m'a inspiré, et D'accord. particulièrement un restaurant où je travaillais, où le chef Jeffrey Murray, qui a été un mentor pour moi, et lui, Oui. il s'est inspiré beaucoup de cette cuisine. Et le restaurant était localisé à Soho. À l'époque, Soho, jusqu'à présent d'ailleurs, Soho, mais c'était les débuts de Soho. Soho, c'est le quartier, la destination, quoi. C'était le quartier chic. C'était le quartier. Alors, toutes les stars de Hollywood et tout ça, ils étaient tout le temps Allez y là. manger. Aller au restaurant tout le temps, c'était ça, quoi. Alors, le restaurant avait tellement de succès qu'on a ouvert deux autres restaurants, et l'un dans les Hamptons et un à South Beach, Miami. D'accord. Et donc, moi, c'est là que j'ai eu de la promotion et j'ai été envoyé à South Beach pour tenir le resto de South Beach avec D'accord. pour mission de continuer d'amener, parce qu'on amenait toujours des produits qui étaient inspirés d'autres ethnies, d'autres régions du monde. C'était surtout l'Asie du Sud-Est. Mais moi, on me Oui. disait, amène aussi des produits de chez toi, tu vois. Et je commençais parce que, tu vois, ça a commencé comme ça. Quand on est en restaurant, je ne sais pas si vous connaissez, bien sûr. Ce qu'on appelle la famille, le repas de famille, tu vois, Oui. avant le service. Et les gens, ils aimaient quand c'était moi qui faisais le repas de famille. On faisait ça à tour de rôle. Et moi, quand je faisais mon repas de famille, je leur faisais des plats de mémoire, hein, du mafé, du yassa, des plats de chinois chez nous, quoi. Et c'est des goûts qu'ils ne connaissaient pas, eux, tu vois. Et donc, je voyais tous ces blancs-là et tout ça qui étaient là, qui en raffolaient et tout. Et donc, petit à petit, ils ont voulu que ces plats-là se mettent aussi dans les spéciaux, dans le menu en spéciaux. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, quoi, l'histoire. Je parle beaucoup, hein, donc il faut m'interrompre, sinon je vais Je parler ne vais toute. pas vous interrompre. Je pense Non, qu'aujourd'hui, on va garder un œil sur l'heure, mais s'il le faut, on continuera un peu après parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment contentes de vous avoir avec nous. Bien sûr, si votre planning le permet, mais
On va rentrer dans le vif du sujet très bientôt. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les temps forts de votre carrière suite à ce début-là et Soho, du coup, et Southampton. Voilà, donc l'un des temps forts, ça a commencé, donc bien sûr, quand j'ai commencé à le temps fort, le premier vraiment, c'est quand j'ai fait un spécial, et c'était un spécial qui était inspiré du mafé. Et c'était la D'accord. première fois, j'étais ce jeune cuisinier, j'avais été promu sous-chef, et j'ai fait un spécial inspiré du mafé. D'accord. Et par coïncidence, le même jour où j'ai fait ce spécial, il y avait une critique culinaire qui est venue dans le restaurant et qui a eu à manger ça. C'était un D'accord. mafé qui était végétarien, elle a mangé ça. Et elle a écrit dans son journal, c'était la critique du New York Post. Je me rappelle toujours son nom, il s'appelle Beth Landman. Et à l'époque, elle a écrit, elle a parlé, elle m'a cité. Elle D'accord. a cité le mafé du chef, de sous-chef Pierre Tcham de Boum, il était vraiment délicieux là-dedans. Et moi, bon, voilà, à l'époque, c'était vraiment une mention dans le New York Post et puis du Ben New York oui, Flash. c'est pas Voilà rien. quoi. C'était tout, c'était carrément, voilà quoi. Donc, l'accession, quoi. Et donc, j'étais tellement inspiré par ça, je me suis dit, donc, il y a un potentiel, quoi, cette cuisine. Si je continue à la présenter, je voyais qu'il y avait un potentiel. Donc, je vais à Miami et je mets des spéciaux déjà comme ça. Et moi, j'appelle souvent ma maman. Ah, maintenant, hein, j'appelle ma maman. Elle a accepté que je suis cuisinier et tout. Et je lui donne, elle me donne des recettes. Des fois, elle me pose même des questions. Je lui donne des trucs parce qu'elle aussi, elle s'intéresse à la cuisine. Et ces recettes de maman, je commence à les mettre dans les spéciaux du restaurant et dans les menus. Et donc, ce qui se passe, c'est que le deuxième temps fort, après cette étape-là d'introduire les plats de chez moi, le deuxième temps fort, c'est un restaurant qu'on a ouvert. Donc, l'un des propriétaires du restaurant Boom à Soho et m'invite à le joindre. C'était actuellement le chef, l'exécutif chef, m'invite à le joindre dans un projet d'un restaurant à Manhattan aussi, sur la 55e. Et qui s'appelait Two Rooms. Donc, c'était un restaurant qui était sur deux niveaux. Et lui, il allait prendre le niveau d'en bas, où il allait faire une cuisine vraiment sophistiquée, étoilée. C'était un chef vraiment talentueux. Et le niveau d'en haut, il voulait que je fasse une cuisine inspirée de l'Afrique. Et donc, on s'est mis, et là-haut, on a vraiment fait le décor avec les palmiers et tout ça, vraiment les Une sofas immersion en Afrique. voilà, immersion carrément. Et on faisait des trucs sympas, hein, simples, des cocktails et tout, parce qu'en haut, c'était plus relax. Donc, on faisait des trucs du genre akara, pastel en cocktail et tout ça. Et puis, on faisait bien sûr, chef et mafé et tout. Mais bon, tout était inspiré, mais en design, quoi, revisité. Et en haut, et ce qui est intéressant, c'est qu'en haut, ça a explosé. Et malheureusement, en bas, n'a pas marché. Parce qu'en bas, c'était excellent, mais c'était trop cher. Voilà, donc ça a marché pour. C'était une destination, quoi. Alors qu'en haut, les gens pouvaient venir tous les jours. L'ambiance était fun et on mettait de la musique. J'amenais aussi la musique de chez moi, bien sûr. Donc à l'époque, ah oui, c'était genre Ismaël Lô et tout. Et les gens, ils s'éclataient, ils dansaient, ils mangeaient. On avait une clientèle, on a même eu le prince de Monaco, pour te dire. On a eu Dennis Rodman, on a eu Seal, c'était vraiment une belle clientèle, mais ça n'a tenu qu'une seule année. Ça a tenu À une cause du seule année. restaurant d'en bas qui Voilà, brûlait voilà. trop. Voilà, restaurant d'en bas marchait pas et donc on n'a pas pu tenir, c'était pas. Mais moi, c'était ma deuxième étape, quoi. Donc, pour répondre à votre question, c'est la deuxième étape. Ça m'a confirmé encore parce que j'ai eu une autre critique, une revue qui a écrit, qui a parlé de ce que je faisais en haut. Et c'était excellent. Le journaliste, il tarissait des loges, quoi. Il disait, cette cuisine africaine, blablabla. Bla, bla. Ils ne connaissaient pas, c'était nouveau pour eux. Et donc, moi, ça m'a confirmé. Donc, je suis là. Donc, le restaurant ne marche plus. C'est fermé. Et donc, moi, je me dis, maintenant, je ne vais plus aller chercher un boulot ailleurs ou chercher à travailler dans un autre restaurant. Parce que personne ne fait ce que je fais. D'abord, donc si je vais travailler ailleurs, je vais travailler chez des Italiens ou des Français. Tout Ce n'est pas ce à que fait. je veux faire. Maintenant, j'ai déjà fait ça. Je veux tracer ma voie, quoi. Tout à Et fait. donc, et c'est là que j'ai commencé mon service traiteur. Un tout petit service traiteur. Hein. Bon, rien du tout. J'étais très naïf. Hein. J'avais pas de. J'avais Avez pas fait un. comme nous tous, de l'entrepreneuriat sur le tas. Voilà, sur le tas, exactement.
sur le tas. Et, mais j'ai eu de la chance très tôt. J'ai eu un client qui était assez très aisé d'ailleurs et qui était très qui aimait bien ce que je faisais, qui aimait bien. Il avait déjà suivi ça dans le resto et tout. Et donc lui, il avait donc, il faisait des parties, il faisait des fêtes. Oui. Et donc je suis devenu une sorte de chef privé pour toutes ces fêtes. Et il avait un bateau où il amenait des gens et sur le bateau et moi je faisais la cuisine et il faisait tous les week-ends. Donc ça m'a tenu, ça m'a aidé à tenir un peu ce, tu vois, mon service traiteur. Et petit à petit, hein, donc je me suis commencé à me faire une réputation, j'ai mis de l'argent de côté et j'ai ouvert mon premier restaurant. C'est comme ça D'accord. que j'ai, et donc j'ai trouvé cet espace dans Brooklyn. Donc ça, c'est la troisième étape importante de ma vie. Je suis dans Brooklyn, dans un endroit de Brooklyn. Pour ceux qui connaissent New York, c'était Bed-Stuy. Donc Bed-Stuy à l'époque, c'était au début des années 2000. Bed-Stuy, c'était le ghetto, ghetto quoi. Alors le ghetto quoi. Alors, et les gens se disaient, mais il est fou ce gars-là quoi. Il veut ouvrir un restaurant ici. Il n'y a pas de restaurant à Bed-Stuy, à part des McDo, des choses Oui. comme ça, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas de resto où tu rentres, tu es assis, il y a les tables, il y a les nappes, Oui. y a le bar et tout. Oui. Donc, c'était toujours ça, c'était marrant. Mais on a fait quelque chose de super sympa. Le restaurant, on l'a appelé Yolele. Donc, D'accord. voilà. Et donc, j'ai fait venir des amis. J'ai pris en partenariat deux potes à moi. Et des potes du Sénégal, hein, genre, on n'est pas spécialement, on n'a même pas d'expérience dans la restauration, pour te dire comme naïf D'accord. on était, quoi. Mais c'était tellement original, tu vois, c'était tellement nouveau. Et moi, ce que je faisais en cuisine, je m'inspirais bien sûr toujours de la cuisine de chez moi, mais aussi de mon expérience dans les restaurants modernes américains, quoi. Donc, mes plats étaient présentés de telle façon que, voilà, c'était une cuisine revisité de chez nous. Et, mais ça a aussi explosé. Yolele a explosé. Et c'était on a eu vraiment beaucoup de Malgré chance. Hein. l'emplacement. Pardon? Malgré l'emplacement, Malgré l'emplacement, c'était nouveau. Les gens venaient de partout. Les gens venaient de partout. Les gens venaient du New Jersey, de Manhattan et tout, parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient avoir cette ambiance africaine et tout. Et puis on créait cette atmosphère. Et on avait l'espace, on faisait même du live music, on a eu des clients, ah oui, on a eu pas mal de gens qui venaient, mais vraiment la A-list, quoi, et ça c'était la A-list africaine maintenant qui venait, tu vois, on avait les Baba Mal, on avait Manu Dibango, on avait Alpha Blondy, tous ces gens-là, Ousmane Sembène, il était tout le temps au restaurant quand il était à New York. C'était devenu un ami d'ailleurs et voilà, donc c'était vraiment une belle ambiance. C'était ce restaurant qui créait, c'était, tu vois, quand je faisais un restaurant, c'était jamais juste la cuisine, c'était la culture, parce que c'est notre culture, notre cuisine, c'est notre culture, et c'est ce qu'on a, c'est ce que j'essaie d'expliquer souvent aux jeunes cuisiniers sénégalais, africains en général. C'est vraiment de réaliser qu'en s'inspirant de notre culture, on a une source d'inspiration qui est infinie, parce que c'est un puits qui est infini. Tout à fait. Et négliger ça, c'est vraiment négliger notre héritage que nos ancêtres, nos grands-mamans nous ont laissé. Et on néglige ça pour prendre l'héritage des autres. Ça n'a pas de sens. Donc, C'est ça. c'est bien d'être ouvert de l'autre côté, ce qu'ils font. C'est important, c'est nécessaire, mais s'inspirer de sa cuisine. Et donc, c'est ce qu'on faisait à Yolele. On s'inspirait de notre cuisine, on amenait des artistes, on avait une petite galerie derrière et des artistes locaux et des artistes aussi de réputation sénégalaise ont montré leurs œuvres là-bas aussi. Donc, c'était un peu tout ça. Et malheureusement, comme je te dis, c'était une expérience qui n'a pas duré, qui a duré 4 ans, qui a duré 4 ans, mais 4 ans à New York. Ça va quand même. C'est longtemps à New York, 4 ans. Mais bon, le partenariat, comme je te disais, c'était pas ça. C'était des potes, c'était pas vraiment le professionnalisme qu'il fallait derrière. Et donc, voilà quoi. Donc, ça a ses limites. Donc, 4 ans plus tard. Mais entre-temps, j'ai eu à. Voilà, donc petit à petit, ma réputation a commencé à se solidifier. À se Et faire. moi, je me suis rendu compte que j'avais une collection de recettes qui était inspirée de ma maman. Et cette collection-là, je Oui. me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre? Et c'est là que j'ai D'accord. commencé à chercher à écrire un livre de cuisine
la cuisine de chez moi, voilà quoi, la cuisine que j'ai eue pendant mon enfance qui m'a inspiré. Et mon ami, j'ai eu un ami photographe, Adam Bartos, qui a accepté le défi de me suivre au Sénégal. Et nous sommes allés, on a passé du temps vraiment avec la source, quoi, ma famille. On est allé jusqu'au village de mes parents, passer du temps avec les tantes, les grands-mères et tout ça. Et moi, c'était retourner à l'école, quoi, prendre ce temps, parce que là, maintenant, je suis accepté comme cuisinier maintenant. Les femmes n'ont plus de problème à m'avoir dans la cuisine maintenant. Elles rigolent un peu au début, mais elles prennent du temps à m'apprendre leur secret, leur petit secret. Et moi, je mettais tout ça sur papier parce que malheureusement, on n'écrivait pas souvent nos recettes en Afrique. On n'écrivait pas souvent. Et donc, c'était important pour moi d'écrire tout ça. Et donc, c'est là que j'ai eu un document que j'ai amené sur le marché pour trouver une maison d'édition. Et D'accord. c'était pas facile non plus parce que les gens, ils ne connaissaient pas ce que c'était une cuisine africaine. Les gens, ils se Oui, disaient, ils mais connaissent attends, pas. une cuisine africaine, ça va intéresser C'est personne. aussi que c'est ce qu'on mange en vacances, quoi. C'est pas ce qu'on va manger Voilà, à la pause déjeuner. exactement, exactement. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré les Kyle Press, j'ai rencontré les Kyle Press et vraiment, par coïncidence, hein, c'était dans une foire et j'avais mon dernier manuscrit d'ailleurs. C'était le tout dernier manuscrit et je suis allé sur leur booth et je leur ai donné ça. Et j'ai le pressentiment qu'ils allaient me rappeler. Effectivement, une semaine après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on aimerait vous discuter avec vous. Et c'est là que je suis allé dans leur bureau. D'ailleurs, ils m'ont invité à déjeuner et on a discuté de signer un contrat pour faire mon livre de cuisine. Et donc, ça, c'était la quatrième étape très importante de ma carrière, mon premier livre de cuisine. Parce que c'était important pour moi, parce que j'avais une limitation du restaurant. Le restaurant est limité juste entre ses murs, alors que le livre pouvait être distribué partout dans le monde et les gens pourraient avoir une meilleure connaissance de ce que je fais. Et donc j'ai écrit ce premier livre de cuisine qui a été très bien reçu. Le livre est sorti et il a été finaliste du prix Julia Child Award. Et donc c'était un choc d'ailleurs pour moi parce que je pensais même pas à tout ça quand je le faisais. Et il a été aussi le prix Gourmand à Paris. Bon, voilà quoi, il a été bien reçu. Et donc décidé d'ouvrir mon deuxième restaurant, le Grand D'accord. Dakar. Et donc, le Grand Dakar, c'était toujours dans Brooklyn, mais Oui. c'était dans un coin un peu moins craignos moins craignos Que le premier restaurant. que Yolele, ouais. C'était toujours quand même un coin c'était pas terrible, hein, parce que d'ailleurs, il y avait un surnom pour ce coin-là, on l'appelait le Shooting Alley. Ça veut dire que les gens, c'était le champ de tir, quoi. Le Voilà, quoi, crack. les gangs et tout ça. Mais Les gangs. il y avait les gangs, voilà, il y avait les gangs. Et donc, quand je suis arrivé aussi, pour moi, c'était important d'intégrer la communauté, tu vois. Et les gens, ils se disaient, qui c'est cet Africain-là? Souvent, il y a cette tension-là aussi, les Africains qui viennent et tout ça. Alors, voilà. Et donc l'une des premières choses que j'ai voulu faire, et j'avais toujours rêvé de faire ça, même à l'époque de Yolele, c'est d'avoir cette sorte de village, créer une sorte de fête de village. D'accord. Et l'avantage que j'avais, c'était que le Grand Dakar, c'était sur Grand Avenue, sur Brooklyn. Grand Avenue, c'est pourquoi j'ai appelé Grand Dakar, Grand Dakar. Voilà. Et donc, j'ai eu le commissariat, j'ai demandé un permis au commissariat pour fermer la rue pendant toute une journée. D'accord. Et on a organisé ce qu'on appelait une fête au village. Et OK. j'ai mis une estrade au milieu de la rue. Et à l'époque, il y avait à Harlem, il y avait des enfants de Doudou Ndiaye Rose, d'ailleurs, les Sing Sing, ils s'appelaient. Et je les ai fait venir avec leur tam-tam. Et D'accord. j'ai fait venir d'autres groupes parce que, ah, je te disais, j'avais souvent des groupes qui jouaient dans le restaurant et tout ça. Donc, tous ces groupes-là. Et donc, on a organisé un concert toute la journée. Les groupes jouaient, le tam-tam jouait, on a fait un sabar. Et on a sorti carrément la cuisine dans la rue. On a mis un barbecue dehors avec un agneau carrément qui grillait dehors et tout. Et les autres business alentours aussi ont commencé à nous joindre. Et c'est devenu un phénomène. Chaque année, on faisait une fête au village. On fermait la rue. Un festival assez familial. Un festival familial, voilà. Et les gens venaient par centaines autour du. Et donc,
Donc, c'était devenu cet espace-là qui avait créé une communauté, et les gens, ils adoraient. C'était tellement populaire que même CNN a fait un reportage dessus une fois. C'était, voilà quoi. Donc, ça, c'était la quatrième et cinquième étape, je pense, voilà. Donc, le Grand Dakar est ouvert. Il y en a des étapes, hein. Et donc, le Grand Dakar est ouvert pour 7 années, 7 ans. C'était une D'accord. éternité à New York. Et mais 7 ans, excellente année. On a eu beaucoup de choses, tellement d'histoires dans le Grand Dakar. J'en passe, hein. Ce sera une autre émission, peut-être qu'on va en discuter. Peut-être Et qu'on refera un autre live. voilà, on fera un autre live. Donc, quand le Grand Dakar a fermé, j'ai commencé avec ma maison d'édition. Ils m'ont offert un contrat pour écrire le deuxième livre. C'était D'accord. le livre, le Sénégal Oui. Cookbook. Et donc, ce livre-là, je voulais qu'il y ait une logique dans mes livres, la succession des livres. Donc, je voulais que ce livre-là aille au-delà du premier livre. Le premier livre, c'était D'où vient ma cuisine? Donc, D'accord. le deuxième livre, c'est Mais qui est à l'origine de cette cuisine-là, ces ingrédients-là? Voilà, Celui-ci. celui-là exactement. D'où viennent ces ingrédients? Donc, en écrivant Sénégal, j'ai voyagé autour du pays et je rencontrais des fermiers, des producteurs, des paysans, des pêcheurs. Et dans le livre, vous voyez, à travers le livre, il y a différentes étapes. Et chaque fois, on introduit un fermier, une cultivatrice, les femmes qui font le riz en Casamance, la récolte du riz en Casamance. Et on parle de leur travail. On parle des femmes qui font le fonio à Kédougou. Et on parle de leur travail. Le pêcheur de Wakam, Ousmane, on passe son temps avec lui, on voyage avec lui très tôt le matin, on va pêcher avec lui, on parle de son travail avec de belles images, mais on parle aussi non seulement de ces images, mais on parle de leurs challenges, des problèmes qu'ils ont. Par exemple, le pêcheur qui fait face maintenant à la surpêche, hein, et comment on abuse nos mers, nos les eaux, les, nos eaux, malheureusement. Voilà. Et donc, ce pêcheur-là, c'est Ousmane, toute sa famille, il est né dans ça. Mais il veut pas que ses enfants deviennent des pêcheurs parce qu'il sait qu'il n'y a pas de futur dans ça. Et c'est triste. Et donc, ce livre de cuisine, ce n'est pas seulement un livre de cuisine, c'est un livre de cuisine qui connecte vraiment le lecteur à la source de notre cuisine. Et on D'accord. parle bien sûr de tous ces détails-là, ce que devient le pêcheur, quand il a pêché, ce qu'il fait avec les petits poissons, les kétiars, comment on fait fumer les kétiars, le yaboy, ce que ça devient, le yeet, comment on fermente ça, et tout cela. Oui. Les autres éléments, le cultivateur de l'huile de palme en Casamance, et on parle des challenges de l'huile de palme, de tous les problèmes, ce que les gens disent sur l'huile de palme et les réalités et les mensonges aussi, parce qu'il y a tellement de politique derrière cette huile de palme-là, donc il faut savoir discerner. Donc le livre devient politique. On parle du riz au Sénégal, comment le riz brisé a été imposé du temps colonial, et pourtant on a notre riz local, et tout ça, voilà. Donc, et bien sûr, il y a des recettes. Chacun de ces produits-là, on parle des recettes après ça. On parle des recettes traditionnelles et des recettes imaginées. Et donc, ça, c'est le livre qui a vraiment explosé Sénégal, qui a été finaliste aussi du James Beard Award, qui est le plus grand prix en cuisine aux États-Unis, et qui a été excellemment bien reçu. Il y a eu plusieurs éditions du livre qui est d'ailleurs toujours en train d'être imprimé. Et donc, c'était la sixième étape de ma carrière. D'accord. Et la septième étape, est-ce que ma réponse est tellement longue, hein, mais je pense qu'il y a eu tellement d'étapes. Allez-y, allez-y, J'y vais gonner, on d'accord. prend tout le temps qu'il faut. Donc, la septième étape, donc, quand ce livre est sorti, et j'ai réalisé, tu sais, chaque fois qu'on écrit un livre, surtout Oui. ici, il faut que le lecteur puisse refaire cette cuisine-là. Donc, pour qu'il refasse cette cuisine, il faut qu'il ait accès aux ingrédients. Et j'ai Oui. réalisé que chaque fois quand j'écrivais le livre et la dernière page, quand je donnais la source de mes ingrédients, il y avait beaucoup d'ingrédients ils n'avaient pas accès à ça aux États-Unis. Et donc il fallait soit qu'ils aillent online. Et donc, j'ai vu, et aussi en écrivant ce livre, j'avais réalisé que beaucoup de nos fermiers, paysans et tout, ils avaient beaucoup de challenges, ils avaient beaucoup de difficultés à trouver des marchés pour leurs produits. Donc, je me suis dit que je pourrais être ce pont-là, étant un chef à New York. Oui. Donc, je pense que j'ai un peu d'influence pour introduire de nouveaux produits. Parce que les chefs, nous sommes devenus un peu des influenceurs. Nous sommes devenus des trendsetters, comme on dit. Donc, Exactement. je voulais utiliser cette plateforme
pour introduire des produits de chez moi. Parce que, D'accord. d'abord, parce que les gens qui lisent mes livres, ils ont besoin d'avoir accès à ces produits. Ben Et oui. moi, en faisant cela, j'ouvre des marchés pour ces paysans-là, pour ces fermiers-là, pour ces paysans de la zone. Et non seulement en ouvrant ces marchés, on ouvre aussi, on encourage la biodiversité, ce qui est très important aussi, parce que ces produits-là, si on ne les utilise pas, s'il n'y a pas de marché pour eux, ils disparaissent. Ils Tout à disparaissent. fait. Et malheureusement, beaucoup de ces produits qu'on a dans les régions du Sénégal, on ne les trouve même pas à Dakar. Même à Oui. Dakar, parce qu'à Dakar, souvent, on a tendance à exporter, mais nos propres produits, on les néglige. Et ce n'est pas seulement le cas de Dakar, et ça se trouve dans beaucoup de capitales africaines. C'est une mentalité coloniale qu'on doit changer. C'est Donc, ça. moi, c'était un peu ça le challenge. Donc, j'ai vu ça comme une opportunité. En tant que chef, je me suis dit, ça, c'est une opportunité. Et c'est là que Oui. j'ai créé ma compagnie qui s'appelle Yolele aussi. Et cette Yolele compagnie, Food. Yolele Food, voilà, Yolele qui est devenue cette compagnie qui exporte des produits D'accord. et qui les présente à travers cette marque Yolele dans le marché global. Et nous avons commencé avec notre premier produit, c'était le fonio. Parce Oui. que le fonio, c'était important pour moi pour plusieurs raisons. Culturellement, il est très important. Oui. Et économiquement aussi, parce que la région du fonio par excellence, c'est Kédougou, Kolda, Sédhiou, cette zone-là. Et c'est des zones qui sont tellement affectées par l'émigration. Les Oui. jeunes sont partis, les jeunes ne sont plus là. Parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Oui. Ils n'ont rien. Et donc, moi, je me suis dit, si j'arrivais à transformer cette graine-là en graine de classe mondiale qui a un marché qui est exporté, nous devenons des exportateurs plutôt que des importateurs. Et donc là, ça pourrait changer la donne. Les jeunes de Kédougou n'auront plus à essayer de traverser le Sahara ou à essayer de prendre des pirogues pour aller en Espagne. Ils auront des opportunités directement chez eux. C'était ça la logique derrière. Mais Oui. en plus de ça, le fait que le fonio, c'est une graine qui est aussi excellente pour l'environnement parce qu'elle pousse dans des sols pauvres et elle peut, en se faisant, elle restaure le sol. Voilà, elle donne de la nutrition au sol et ça retient l'eau. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, il y avait tous ces avantages-là. En plus que c'est nutritif, hein, c'est nutritif, ça n'a Oui. pas de gluten, c'est riche en aminoacides, voilà, en fibres et tout ça. Et pour moi, c'était une opportunité aussi parce que j'avais vu, vivant aux États-Unis, j'avais vu comment une graine qui était similaire, qui s'appelle le quinoa, Oui. avait explosé dans le marché. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de dupliquer ça, mais en le faisant mieux que le quinoa, parce que le quinoa a explosé, mais seulement beaucoup de ceux qui sont à l'origine du quinoa n'en ont pas profité comme ils devaient en profiter, les Oui. Boliviens, les Chiliens et tout ça. Et donc, pour nous, c'était ça le challenge, c'était de faire en sorte que ce soit nous, la région du Sahel, qui profitions du fonio. Et donc, c'est ça la mission. Donc, c'est Moi, la étape. j'ai une Hein? petite question. Oui? Aujourd'hui, si je veux manger soit les produits Yolele, est-ce que je peux les avoir déjà au Sénégal ou ailleurs? Parce que je sais qu'aux États-Unis, ils sont disponibles sur Whole Foods ou on peut les commander en ligne. Mais comment est-ce qu'on peut trouver vos produits et dans quel restaurant autour du monde est-ce qu'on peut manger la cuisine de Chef Pierre Thiam? Ok, donc mes produits, Yolele, en ce moment, vous pouvez les trouver. Je pense qu'ils sont déjà disponibles, ou ils seront disponibles du jour au lendemain au marché américain de Dakar, déjà pour commencer. Et je ne sais pas si vous connaissez le marché américain, le supermarché américain qui se trouve aux Almadies. Voilà, Oui. donc. American Donc, food. voilà. Eux, ils ont ça, ils ont les produits. Et c'est les D'accord. premiers, c'est la première étape. Bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir une plus grande distribution au Sénégal et en Afrique de l'Ouest parce que nos produits viennent non seulement, ils viennent d'un peu partout, hein. Ils viennent du Mali, ils viennent du Ghana. On a un réseau de fermiers au Ghana, au Togo, au Burkina Faso bientôt, au Mali. Et donc, voilà quoi. Idéalement, Oui. Ces zones-là doivent être fournies en priorité. Et donc, c'est ça l'objectif. Et voilà, nous travaillons là-dessus. En ce moment, c'est juste le supermarché américain, mais bientôt,
Inch'Allah, on aura toute la sous-région. Et D'accord. donc, et vous pouvez manger Intéressant. ma, mais voilà, vous pouvez manger ma cuisine, bien sûr, aux États-Unis, à New York, Teranga, à Lagos, Nok Bay Alara, à Lagos, et bien sûr, au Pullman à Dakar. Et l'été dernier, c'était à Barcelone dans le Cotton House Hotel. Donc, c'était un pop-up qu'on a fait tout l'été à Barcelone. Et bon, malheureusement, cette année, avec le Covid, rien ne se passe. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on bouge, on fait des pop-up. Je voyage souvent. Donc, vous pouvez aussi me suivre sur mon site internet, pierrecha.com, et savoir où je suis à certains moments. Voilà. Donc, je pense que là, ils ont la réponse. Vous avez quand même quelques abonnés qui parlent anglais qui sont là. Donc, à la fin, on parlera un peu anglais pour qu'ils se sentent un peu involved in the discussion. No Donc, problem. je pense que là, on va attaquer notre sujet. Donc, comment exporter la cuisine ouest-africaine? Je pense qu'on devrait d'abord faire le point sur la situation actuelle, comment la cuisine africaine, ouest-africaine, est perçue dans le monde, quelle place elle occupe, et ensuite voir quel levier on peut actionner pour accélérer le développement de notre cuisine à l'international. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on perçoit la cuisine de chez nous dans le monde? Un petit bug. Notre cuisine est toujours très appréciée. Toujours, toujours très appréciée. Ben, le challenge, c'est la diffusion. Hein. La diffusion est trouvée de plus en plus. Et ça vient de plus en plus. Il y a des jeunes chefs qui commencent à être créatifs et s'inspirer de cette cuisine. Et ils sont un peu partout maintenant. Mais pas assez, bien sûr. Pas assez pour en faire un mouvement. Mais comme je dis, cette cuisine ouest-africaine, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils l'ont expérimenté sans le savoir, parce que quand on parle de la cuisine Southern food, la cuisine du sud de l'Amérique, tu vois, la cuisine de New Orleans, la cuisine de Louisiane, c'est de la cuisine ouest-africaine. C'est de la cuisine qui est venue directement aux États-Unis à travers l'esclavage d'Afrique, d'Africains de l'Ouest. Hein, on retrouve notre soupe kanya, on retrouve notre jollof Le rice, on gombo, retrouve tout ça, le opinion, le gombo, le tchebounyebe, tout cela, ça se trouve dans cette cuisine. Et c'est notre cuisine. Donc, seulement, on n'a pas eu les crédits. Le challenge que l'Afrique a, il n'y a pas seulement l'Afrique de l'Ouest, le challenge que l'Afrique a, c'est qu'on a eu une communication tellement négative pendant tellement longtemps. Par design, hein, par design, parce que c'était fait exprès, souvent, c'était fait exprès pour mieux nous exploiter. Et cette communication, elle est restée là, et beaucoup de gens l'ont gobée. Et maintenant, quand on leur parle d'une cuisine ouest-africaine, ils ont des difficultés à connecter, parce que pour eux, l'Afrique, c'est le continent où les gens ont faim. C'est le continent où les gens, voilà, tout est négatif. Les gens, tout le monde veut quitter. Et tout, donc, ils ne pensent pas à l'Afrique, ce continent où il y a de l'abondance, où il y a des ingrédients. Il y a tellement d'ingrédients en Afrique. Il y a de la bonne cuisine, des bons goûts, de la bonne saveur. Ils n'y pensent pas. Et c'est à nous de changer. Donc, pour exporter cette cuisine-là, c'est à nous de changer ces mentalités-là. C'est à nous de savoir présenter cette cuisine. Et à tous les niveaux, hein, c'est pas seulement un chef qui pourra faire ce travail-là. Il y a tellement de niveaux, il y a tellement de niveaux. C'est politique, c'est des entrepreneurs. Il faut que les entrepreneurs prennent des risques et aussi et mettre ce qu'il faut mettre, quoi, parce que il faut aussi savoir que une chose est très importante pour exporter un produit, ce qu'on appelle le branding. Parce que voilà, l'image du produit doit être faite de telle sorte que ce produit Qu'il aura donne envie autant de... Pardon? d'être mangé, que le Voilà, qui donne envie d'être packaging, mangé. la Le façon de packaging, communiquer autour. exactement, exactement. Et ça, c'est des choses
qui sont importants, que vous apprenez à l'école. C'est des choses qui doivent être appliquées dans cette démarche-là, quoi. C'est le seul moyen, hein? Sinon, il y a la compétition, quoi. On doit faire face à cette compétition. Sinon, et si on n'a pas un bon branding, on se donne pas de chance de réussir. Mais avant tout, est-ce que vous ne pensez pas que à l'international, on pense de la cuisine ouest africaine qu'elle est trop grasse, qu'on utilise beaucoup d'huile, que c'est que du riz? Parce que même nous, au Sénégal, le fonio, c'est pas tout le monde qui le mange, il y a très peu de personnes qui le consomment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème chez nous d'éducation autour de nos produits avant de pouvoir même l'exporter? Absolument, excellent point vous faites là, parce que cette cuisine qu'on vous dit trop grasse et cette cuisine qui est limitée au riz, moi je n'appelle pas ça notre cuisine, ce n'est pas cette cuisine à laquelle je m'identifie. Moi personnellement, par exemple, j'ai grandi à Dakar, mais mes parents sont d'origine casamançaise, donc chaque vacances, chaque été, je passais mon temps en Casamance. Et D'accord. je n'avais pas, c'était pas la cuisine que je mangeais chez moi. C'était pas Oui. une cuisine grasse, c'était pas une cuisine focalisée sur le riz, alors que bien sûr on a le riz en Casamance, mais il y a aussi le fait que nous, en tant que chef, en tant qu'acteur de la cuisine africaine, il faut qu'on fasse nos recherches aussi, il faut qu'on doit être en quelque sorte des anthropologues même, et retourner même, et des historiens, retourner dans l'histoire et voir c'était quoi nos produits. Hein, on a le mil, on a le sorgho, on a le fonio, on a toutes ces graines-là qui sont là, qui sont nos produits. On voyage dans la sous-région, on voit tous ces autres éléments, ces pâtes-là, avec le plantain, le manioc, et tout Oui. ça, c'est des produits de chez nous. Et donc, c'est à nous, en tant que chef, d'être créatifs Oui. et savoir les interpréter et réinterpréter nos traditions et les présenter. Les sauces feuilles et Togiye en Casamance, les fruits de mer, on a tellement de choses, tellement, énormément de choses. Cette cuisine africaine, quand elle va être bien présentée, elle va exploser le monde parce qu'on a tellement à offrir et c'est nutritif et c'est une cuisine de notre temps. Les abus d'huile et les abus de bouillon, c'est de l'héritage colonial. Ce C'est n'est ça. pas de chez nous, c'est de l'héritage colonial. L'huile, c'est cette huile d'arachide qu'on nous a imposée. Le colon voulait qu'on cultive l'arachide parce que c'est eux qui faisaient l'huile d'arachide, qui était très, très, très prisée. Et nous, parce que c'était la mentalité coloniale, hein. Je ne dis pas que nos grands-parents, nos parents avaient tort. C'était un lavage de cerveau. Et donc, plus on utilisait le produit du blanc, plus Oui. on montrait qu'on était assimilé, on était aisé. Oui. Et donc voilà, quand tu fais ton baptême et tout ça, tu es bidéine parce que C'est ça ça. montre que tu es aisé. Et donc Que tu as de malheureusement, l'argent, tu as tu as assez de d'huile. l'argent, voilà, tu as assez d'huile, tu as plein d'huile, alors que non, tu n'as pas besoin de toute cette huile-là, tu n'as pas Oui. besoin de toute cette huile pour faire ta cuisine, tu n'as pas besoin de bouillon. Et si tu utilises des bouillons, tu peux les utiliser. Je ne dis pas que il faut pas utiliser de bouillon parce qu'on peut les utiliser, mais avec modération. Tu utilises un bouillon, ça peut être suffisant pour assaisonner ta sauce. Mais tu n'as pas besoin de bouillon. On a des produits qui remplacent le bouillon qui était là bien avant, que maintenant on néglige parce que soi-disant on était tout des règnes ou le yé, puis au pied C'est des ça. melons. Mais c'est plus nutritif que le bouillon parce que c'est fermenté déjà. Oui. Mais en plus de ça a plus de goût. Et Oui. le bouillon, et l'abus de bouillon, c'est des maladies importées. L'abus d'huile, l'abus de bouillon, le riz. Le riz, mais il faut diversifier. Il faut Oui, c'est diversifier. ça. On a toutes ces graines-là, il faut diversifier. Et c'est bon Bon. pour notre santé, c'est bon pour notre économie, notre économie rurale aussi, parce que la rotation de l'agriculture, c'est important aussi. Moi, je pense qu'il faudrait déjà inculquer ça dès le plus jeune âge, que même à l'école, on devrait avoir des programmes en fait qui nous permettent d'en savoir plus sur les produits, à part le tchèp qu'on mange chaque jour et le tchéré peut-être et le lard, etc., qu'on va manger occasionnellement. C'est important de connaître notre terroir, parce que s'il y Très a une chose important. que les gens ailleurs font bien, c'est bien exploiter tout leur terroir. On sait dans telle région c'est quoi les spécialités et on l'inculque à tout le monde. Ensuite,
On a, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la cuisine de l'Asie de l'Est et du Sud, qui aujourd'hui, même si elle est assez exotique, on va dire, elle est différente en tout cas de la cuisine occidentale, qui s'est très bien adaptée. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi, bon, on a un peu les raisons, mais pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas encore à ce niveau-là? Mais c'est cette mentalité, comme je dis, c'est une mentalité coloniale qu'on doit se débarquer de ça. Et on doit, mais bien sûr, en le faisant de façon sérieuse aussi, avec un travail sérieux d'historien, d'anthropologue, et vraiment être créatif avec nos propres produits. Mais d'abord, commencer par être fier de soi, fier de ses produits. Et c'est ce que les Japonais ont fait. Ils sont fiers de leurs produits. Les Thaïlandais sont fiers de leurs produits. Et quand tu es Exactement. fier de tes produits, immédiatement, il y a tellement d'effets bénéfiques qui viennent. Immédiatement, d'abord, ta cuisine s'améliore. Ton agriculture, tu supportes ton économie locale. Tout Et à fait. nous, on ne le fait pas. On ne supporte pas notre économie locale. C'est ça. Comment tu expliques que nos paysans, c'est les plus pauvres, c'est les plus démunis. Ils n'ont rien. Personne ne veut être paysan au Sénégal. Ouais. Personne. C'est ça, c'est ça le problème. Alors que c'est eux qui nous nourrissent, qui devraient nous nourrir. Donc, Oui. y a pas de C'est logique, quoi. même une de nos principales sources de revenus et on néglige énormément l'agriculture alors qu'il faudrait au contraire pousser les jeunes à aller dans les champs. Il y a quelques personnes quand même qui essayent de faire ce travail. J'ai vu une émission qui s'appelait Farm Factory ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'était vraiment prendre des jeunes et les amener dans les champs avec un peu un concours. C'était un peu le Koh-Lanta, mais dans les champs. OK, au Sénégal. Donc, oui, au Sénégal. Donc, je pense que Excellent, excellent. c'est des initiatives à saluer et à encourager. Par contre, le live va couper dans 2 minutes. Donc, ce que je Oh. propose qu'on fasse, c'est qu'on le coupe. Et je vous rappelle tout de suite, comme ça on va essayer de terminer. Donc, si D'accord. vous venez du compte du chef Pierre Cham, abonnez-vous à Thelma. Comme ça, vous allez pouvoir continuer avec nous tout de suite. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite. À tout de suite.